Police nationale là, je vous dis à qui trouve dans un chaos, ou pas qu'on est qui est qui vrai policier, qui est qui faux policier. Sur tout internet là, moun pas suspend à commenter, sur tout internet là, moun pas suspend à interagir des sujets ça, pour nous connaître qui ça cap passé en dedans police nationale là comme ça. Eh bien, Demon Sensi, qui se porte-parole SPNH là, te prend micro la presse, yon façon pour le capable inviter reste policier à faire partie de SPNH là pour défendre droit policier pour yon même yon capable faire revendication yon passe sous yon paquet de bagages jounen joudian kap rive en dans la police là. La police là jounen joudian trouve qui divisé. La police là jounen joudian policier qui campé en face policier. Alors, Demon Sensi, j'aime dire nous, prend micro la presse yon façon li même pour le capable encourager reste policier pour entrer dans la bataille qui eux-mêmes y a mené. Maintenant de Michel, tu prends micro la presse tout, yon façon pour être capable mobiliser reste policier, yon façon tout pour voir un message bay gouvernement dans mauvaise gestion y a fait dans pays journée joudian et convaincre reste policier que eux-mêmes en tant que policier institution ça sont institution que l'état lui-même méprisé, son institution journée joudian qui trouvait dans un état qui vraiment défavorable, fait qu'on est que policiers ont un paquet de structures que eux-mêmes n'ont pas gagné. Alors, Maître André Michel tape encourager reste policiers pour mobiliser et venir rejoindre SPNH là. Retez là, nous prenons plutôt visualiser comment ça a été dans le micro la presse, Maître André Michel qui tape sensibiliser reste police nationale là et puis Demon Sensi qui se porte-parole SPNH là, pas mettre de l'eau dans la bouche, les mêmes tout. Li te prend micro la presse yon façon pour le capable voyer yon message sympathie bay famille ak zanmi victime nou konnen policier qui t'a mené yon opération dans village là. Alors Demon Sensi te prend micro la presse pour voyer yon message de solidarité bay res confrère yo. Rete là, nous pral kite yo analyser ko j'aime di nou nan yon vidéo. Rete là tout, nous pral laisser vivre comment ça t'est. Mais avant que n'aller plus loin, qui te prend quelques secondes pour nous saluer et puis remercier ou même cap suivre page ça ou même qui rend page ça salier journée jeudi. En fort moins dire sans et ou même page là pas tap salier jeudi. Alors ou même qui beaucoup abonné avec channel là n'a invité abonné avec channel là pour nous capable à grandir communauté Jinanjia. En général qui là jeudi. Moi même moi c'est Domon Sensi, porte-parole SPNH 17. Matin là nous tous connaissons que il était prévu pour nous faire une conférence, pour nous faire un sitting. Mais malheureusement, et l'état-major rentré dans la même dynamique de répression et faire répression sur tous les membres SPNH 17 qui viennent pour capable bloquer le sitting que nous avons fait aujourd'hui. Eh bien, nous tous nous connaissons là que l'état-major là, yo senti yo toujours à l'aise, sans problème, yo mettait dossier sous moun. Pour capable faire moun peur, pour faire moun pourri. Et c'est comme ça nous, si pas connaissons si c'est culture nous-mêmes, en Haïti même, laisse que les moun cap défendre droit, cap réclamer droit, et que pour capable piétiner des droits, pour passer droit en bas pied, yo ba ou non poté. De mettre dossier sous dos. SPNH 17, ce n'est pas une organisation criminelle. Moun qui a dirigé SPNH 17, ce sont des policiers, ce sont des citoyens honnêtes, ce sont des citoyens paisibles et des citoyens respectables. Nous, là, aujourd'hui, pour nous dénoncer, pour nous combattre toute campagne qu'a faite pour craser syndicat SPNH 17. Un syndicat qui a bataille, les policiers sont capables de travailler dans les meilleures conditions. Un syndicat qui a bataille, les policiers ont un bon genre salaire. Un syndicat qui a bataille, les policiers ont un matériel pour être capable de faire la population en sécurité. Je dis à nous constater, Léon Charles, mettez ensemble avec un peu l'autre monde, craser la police, craser le syndicat SPNH 17. Nous là,
pour nous porter solidarité avec un avocat. Nous là pour nous dire bataille policière, c'est bataille de population. Je dis à nous constater, le principal ennemi de la police nationale d'Haïti s'appelle Léon Charles. Le premier ennemi de la police nationale d'Haïti, c'est Léon Charles. Léon Charles fait toute bagaille pour craser la police. 12 mars 2021, ont massacré les policiers, ont assassiné les policiers de l'Aïdé. Léon Charles va prendre rien pour récupérer les cadavres, pour les familles enterrées en intimité. En y descend en balle, négocier à bandit pour le bon blindé. Deuxième bagage, nous constatons. Léon Charles divise les policiers là. Il mettait All Black, il mettait Team Léon, il mettait Net Pal. La montée de police, il mettait chien, manger chien. Non, mis dans la police là. Léon Charles a crasé la police là. Il a divisé la police. Nous constatons Léon Charles pas fait rien pour défendre les policiers, pour défendre l'honneur. 17 mars 2021, un policier, pour le chien Daniel Michel, qui a assassiné. Pas de enquête qui fait. Comment on a fait? Léon Charles dit, policier ça, il était dans des choucages, il était dans volet, non. Universal Motor. Ça veut dire, objectif de Léon Charles, c'est craser l'identité de policier, c'est craser l'image de la police, c'est craser l'honneur de la police. Il ne peut pas faire rien comme chef de la police pour défendre l'institution, pour défendre l'identité. Bagay ça a montré, Léon Charles n'a pas de place vraiment dans le chef de la police. Et si nous continuons, la fin craser la police là, net alcoolique. Je dis, il faut que solidarité dans le temps policier. Je dis, tout policier doit porter coller avec policier qui a subi répression. Tout policier doit porter coller avec Jean-Yves de Lundi, qui est coordonnateur de tout policier doit porter coller avec Maï, qui travaille dans des conditions difficiles pour le défendre. Syndicat. Tout policier doit faire seul, parce que l'objectif de Léon Charles, c'est craser la police, craser l'institution, craser le prestige, craser l'intimité institution. En tant qu'avocat, nous devons faire ce que de droit. Il y a des avis de recherche que la police mettait contre des membres du syndicat SPNA 17. Je mettais avis de recherche contre Jaïl de Lundi. Je mettais avis de recherche contre Kev Jeffra. Ils ont décapité. Et c'est ça qu'ils veulent faire, oui. Ils veulent décapiter. Le SPNA. Vous voulez craser, couper tête SPNA. Nous-mêmes, comme avocats, nous voulons faire ce que nous devons. Ce sont des avis de recherche entachés d'illégalité. Ce sont des avis de recherche émis en dehors de la loi. Vous n'êtes pas capable de mettre avis de recherche contre des membres d'une institution syndicale. C'est des gens qui ont un domicile connu. Ce n'est pas des gens qui commettent infraction. Il n'y a pas de voler, il n'y a pas de kidnapping, il n'y a pas de commettre crime, il n'y a pas de recherche contre eux. Voilà pourquoi, avec Maï, avec les autres avocats constitués, défendre les intérêts du SPNA 17, nous allons attaquer par devant la justice. Ces avis de recherche qui ont été émis en dehors de la loi. Et je m'adresse à Maître Bernard Saint-Ville, il est le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il est le juge de la liberté. À chaque fois que la liberté d'un citoyen est menacée, automatiquement, il saisit du fait pour intervenir pour être capable de faire ce que nous devons. Alors, nous ne pouvons pas l'empire. Nous sommes là comme citoyens pour nous dire. La supporter policier à 500%, la supporter SPNA 17 à 500%, et pays à faire la loi camper pour ne pas quitter Léon Charles, craser SPNA 17, pour ne pas quitter Léon Charles, craser la police. La seule police là nous gagne. Policier travaille dans des conditions difficiles. Il n'y a l'école petite. Il n'y a pas payer caille pour y arrêter. Il n'y a pas de famille au manger. Et il y a bataille, il y a essayé de nous dire notre sécurité. Il y a bataille pour la sécurité. Nous ne pas quitter Léon Charles pour la police. Et Jean, votre parole est en Haïti, c'est pas dit déjà. La police là, il n'y a pas personne, il n'y a pas pour Léon Charles. C'est pour tout Haïtien. Nous tous nous devons bataille, nous tous nous devons supporter l'esprit en Haïti. Nous tous nous devons accompagner tout policier dans la bataille pour la vie est capable de changer la institution. C'est pour un monde. Sorti pour craser l'image de la police. Depuis mon abdi, tout policier, c'est vagabond, c'est délinquant. Mettre pour moi ça,
il m'a récabri, même quand avec Léon Charles, objectif à s'écraser institution la police. Nous tous, nous devons taper comme une seule femme, comme un seul homme, pour nous empêcher de classer la police nationale d'Haïti, une institution républicaine de maintien d'ordre, qui a fait des efforts extraordinaires pour la sécurité dans des conditions difficiles. Merci.